Salut, c'est Lingen du blog Solopreneur. Je suis aussi l'auteur du guide du blogueur et je vais euh, vous montrer dans cette vidéo comment configurer WordPress une fois qu'on l'a installé. Okay J'ai fait un tutoriel sur comment installer un blog WordPress. Maintenant, il faut le configurer et on va voir 90% de tout ce qu'il faut savoir pour avoir un blog pro. Okay il n'y aura pas 10 000 fonctionnalités, mais on aura l'essentiel. Je regarde ici de temps en temps parce que j'ai mes notes, mais euh, je suis bien avec vous, ok Alors le blog, c'est apprendre.photo, que j'ai acheté juste pour capitaliser sur le nom de domaine et que je chercherai à vendre. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, j'ai presque rien configuré pour qu'on puisse tout faire pas à pas ensemble. Il n'y aura pas d'effets spéciaux. On va juste ensemble configurer ce site WordPress. Prêt Alors... Euh, pour commencer, on va aller dans les réglages. Ouais, on va commencer par la fin et puis on va aller dans général. Et je vais ouvrir les autres onglets. Donc, on aura besoin de lecture, de discussion et de permalien. Ce sera le principe. Ok Donc, on est là. Alors, là, le titre de, du site, on peut toujours le changer. Moi, je vais mettre apprendre la. iphone voilà et ici je vais mettre alors, avec un euh, en fait la différence c'est quoi c'est que ici c'est le nom ok donc euh, le nom de son blog par exemple ça peut ça peut s'appeler euh, voilà le nom d'un site hein, google etc mais dans le slogan on explique ce que c'est genre moteur de recherche un truc simple si je mets apprendre.photo, c'est le nom de mon site, c'est mon identité. Mon slogan, bah c'est comme une personne. Hein. Je m'appelle Lingencia. Mon slogan, mon job, c'est blogueur et entrepreneur. Donc ici, on va mettre apprendre la photo avec un iPhone. On va essayer de mettre des mots-clés pour essayer d'être bien référencé sur euh, Google aussi. Le reste, on ne touche pas et on va changer le fuseau horaire. Si comme moi, vous êtes à Paris, vous à Paris. Sinon, vous mettez la ville de votre choix. Ici on peut laisser alors moi je préfère que ce soit ce format jour, mois, année. Ici on peut le laisser dans l'heure en France, c'est plus ça. Et voilà. On enregistre les modifications. Ok, donc fait. J'ai ouvert le deuxième onglet ici, donc c'est lecture. Donc on va aller dans lecture. Ici, si jamais vous ne voulez pas que votre... Blog soit référencé sur Google parce que vous faites quelque chose de secret, vous voulez, que ça a pas, vous voulez pas que les gens le découvrent un peu par hasard, euh, bah vous cochez cette case. Du coup, Google ne va pas lister votre blog sur, son, euh, sur ses résultats de recherche. Sauf cas exceptionnel, en général, on, on laisse. Plus Google euh, saura tôt. Où se trouve notre blog, qu'on qu qu a un blog à cette adresse, mieux c'est. D'accord Donc, ça, on n'y touche pas. On passe à la prochaine configuration c'est discussion. Alors, discussion, c'est assez bien expliqué. Je vous laisse regarder par vous-même. Donc, c'est les commentaires qu'il y aura sur votre blog. Par contre, ici, je vous encourage vraiment à cocher logo gravata et à vous créer un compte sur gravatar.com. Ça va vous permettre d'avoir une photo en fait avec un profil et à chaque fois que vous, vous allez faire un commentaire sur un blog qui utilise cette option là vous allez avoir votre tête et votre blog affiché avec votre biographie et si quelqu'un laisse un commentaire sur votre blog et qu'il l'a euh, et qu'il qu utilise Gravatar bah lui-même aura euh, sa photo et tout sera beau plutôt que voilà un truc comme ça on comprendra bien que c'est quand même la solution la plus sympa enregistrer les modifications et puis dernier réglage dans réglage ici on fait bien attention que la structure est la suivante bon ça on laisse hein, par défaut ici on va juste mettre catégorie je ne vais pas rentrer dans les détails mais on va enregistrer ça comme ça parce que sinon ça va être en anglais avec un y donc ça c'est la première étape on a fait les réglages on a configuré réglage. maintenant vous voyez bien le blog il est assez basique ok euh, c'est le thème de base. Je vais vous montrer comment on change ce thème donc on va dans apparence thème et un thème donc c'est un design préconfiguré, un package qu'on achète euh, ou qu'on trouve gratuitement et ça va nous donner tout un design. Donc quand on va là, on voit qu'il y a déjà quelques designs de près. Donc moi, si je peux faire activer ça ou activer ça, et instantanément mon design va changer. Sinon, je peux aller dans Ajouter ici. Et il y a une base de données de thèmes gratuits que je vous recommande quand vous êtes au début. Vous pouvez chercher un thème ici. Sinon, je vous recommande de prendre un thème payant. Donc ici, on peut aller, aller. Je vais aller essayer de trouver les thèmes les plus populaires. Mais n'allez pas trouver des thèmes gratuits ailleurs que dans cette base de données parce que cette base de données a été vérifié, donc il n'y a que des thèmes sérieux et ne vous retrouvez pas avec des thèmes avec des, des, des problèmes dessus ou voire pire du piratage. Okay donc vous allez là et là vous dites Allez, j'ai un coup de cœur pour, 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 pour. Euh, on va partir sur un truc simple. Donc là j'ai juste à cliquer sur installer, c'est beau la technologie. Hein Merci WordPress et toute la communauté WordPress de faire ce boulot énorme. Euh, donc je clique. J'attends et c'est installé. Alors, ah si c'est installé, on vérifie, on retourne dans Thème. Et on voit que ça a été installé ici. Mais maintenant, il faut l'activer. D'accord On l'installe, mais on l'active aussi. Voilà. Donc, c'est activé. Et là, vous voyez, en quelques secondes à peine, mon blog a changé d'apparence. Voilà. Évidemment, il n'y a rien dessus encore. Mais euh, j'espère que vous appréciez euh, ce que WordPress nous apporte, c'est vraiment top. Euh, si vous voulez acheter des thèmes ailleurs et les uploader vous-même, chose qu'on ne va pas voir ici, vous cliquez là sur mettre un thème en ligne, vous choisissez votre fichier zip que vous aurez acheté ailleurs euh, et vous le ici. Après, ça marche pareil. Donc, on va pas rentrer dans le détail de comment chaque thème fonctionne. Je vais quand même vous montrer où ça se trouve. Donc, si vous allez dans Apparence apparence personnalisée, vous allez vous avez plusieurs options ici et donc euh, voilà vous voulez changer la couleur de fond, vous passez en noir, c'est là que vous verrez tout, mais ça va ça va de soi donc on va pas s'attarder ici, je préfère qu'on passe du temps sur vraiment ce qui est basique. Donc on a appris, on a configuré le, euh, les choses basiques du, du on a fait les configurations basiques du thème du site, j'ai arrivé. Maintenant, on a installé un thème, donc ça c'est génial, hein, on a réussi à faire ça. Et maintenant, on va installer des extensions. Alors, les extensions qu'on appelle les plugins, donc on va dans Extensions Ajouter, c'est des logiciels, un peu comme des logiciels, des applications qu'on ajoute sur son smartphone ou sur son ordinateur, pour avoir des fonctionnalités en plus. Quand on ajoute par exemple Skype, ou quand sur son portable on ajoute Facebook, euh, Twitter. Snapchat, tout ça, c'est des applications qu'on ajoute. Donc ici, c'est des extensions que des développeurs ont créées. Beaucoup d'extensions sont gratuites, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais il euh, y en a qui sont payantes. Donc si vous avez acheté un, un plugin ou une extension payante, c'est ici mettre une extension en ligne. Vous cliquez et vous le là. Je parle assez vite hein, en fait, parce que j'ai pas envie que cette vidéo elle dure une demi-heure. Alors j'en ai déjà, j'ai triché un peu. J'en ai déjà préinstallé deux. Voilà, Jetpack que je recommande. Et euh, j'ai installé UpDraft Plus qu'on va voir juste après. Et je, il y en a un troisième. Alors des plugins, moi j'en recommande une dizaine qui sont assez bons. Mais on ne va pas tout faire. Si vous installez ces trois-là, c'est déjà très bien. Donc vous allez là, vous tapez Yoast SEO. Vous allez vous retrouver avec ce plugin-là qui est très bien noté. Bref, je ne vous fais pas la publicité. Vraiment, faites con. Et je vous explique après à quoi ça sert. Hein. Pas de panique. Donc on l'installe. Pendant qu'on installe, je vais vous montrer... donc Alors... Installer, c'est une chose. L'activer, c'en est une autre. D'accord Vous avez compris un peu maintenant. D'accord Donc voilà, vous installez une application, mais après, il faut l'ouvrir pour l'activer, okay pour l'utiliser. Donc là, c'est activé. Et donc, je vais aller dans Extension. Extension installée. Je vous montre l'écran comme si vous me voyez. Mais... Euh, vous allez dans Installer. Voilà, c'est ici. Vous, vous retrouvez ici. Alors, j'ai installé donc trois plugins. J'ai installé Jetpack. Donc, vous faites ce que j'ai fait tout à l'heure. Jetpack, vous faites ça. Updraft Plus et Yoast SEO. Quand vous installez Jetpack, il y a l'application, l'outil Akismet qui s'installe. Euh, L'assistant One-on-One. Si vous avez utilisé One-on-One, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez, bah, je vais vous montrer comme ça, hein, comment supprimer une extension. Et normalement, il faut la désactiver avant de la supprimer. Donc on se retrouve avec ces quatre plugins. Alors, on va commencer par Akismet et Jetpack. En fait, Jetpack, une fois que vous l'avez installé, il faut le configurer. Et pour le configurer, il faut créer un compte sur wordpress.com. C'est gratuit. Donc si vous n'en avez pas, vous le faites ici. Alors ça, vous vous paraître un peu bébête, mais créer un compte sur wordpress.com, c'est créer un blog sur wordpress.com. Faites tout ce qui vous demande, ne vous prenez pas la tête. Et à un moment donné, on va peut-être vous demander de payer. Vous sélectionnez euh, gratuit, quoi. Vous n'êtes pas obligé de payer. Donc moi j'ai déjà un compte. Je ne vais pas recréer un compte WordPress.com pour vous montrer, mais vous suivez pas à pas. Une fois que vous avez créé votre compte WordPress, cliquez ici sur approuver. Donc en fait, je vais autoriser WordPress à WordPress.com. Hein. Je précise, c'est un service payant euh, WordPress.com. À utiliser, à avoir accès à mon site. Donc voilà, je prends le gratuit. J'ai pas de musique, au Voilà, vous retrouvez ici. Alors, activez les fonctions recommandées Faites-le. Alors, c'est l'occasion de vous expliquer. Jetpack vous offre plusieurs options. La principale, c'est de vous donner des statistiques de visites. Donc là, j'ai encore zéro visite. Euh, quand j'aurai des visites, ça va s'afficher ici. Euh, automatiquement, ça va me connecter à Akismet. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui vont laisser des spams dans mes articles, Akismet va s'occuper de euh, régler ce problème-là. Donc je fais obtenir votre clé d'API. Ça va se connecter à mon. Comme. Ça paraît compliqué, mais. ok. voilà, ici, vous faites PC ». Et là, ah oui, c'est ici que vous choisissez zéro euro. Et après, vous pouvez évidemment soutenir. C'est top. Il y a des gens qui soutiennent. Bon, il y a bien un jour, où il va falloir que je soutienne depuis leur service gratuit. Voilà. Donc ça, j'ai un code. Activate the sites C'est activé. Ouais, je vois. Donc Jetpack va me donner des statistiques et d'autres fonctionnalités qu'on va voir après. Et Akismet va bloquer des commentaires. On va me laisser en spam en fait c'est des gens qui utilisent des logiciels pour envoyer plein de spam sur plein de sites euh, donc là je configure Akismet et ça me protège de ça ok c'est réglé donc c'est bon pour Jetpack maintenant il nous reste Updraft alors Updraft Plus c'est une application une extension de référence aujourd'hui pour donc une fois qu'on l'a activé pour euh, faire des sauvegardes de son site. On va, une fois qu'on active, on va dans Réglages, Sauvegarde, Updraft Plus, Up, Updraft Plus. Et ça va nous servir à quoi Si votre site reçoit une attaque demain, vous avez un problème, on vous bousille votre site, et ben vous pouvez, si vous avez fait une sauvegarde, vous pouvez revenir à un instant antérieur. Si je fais une sauvegarde lundi et que mercredi j'ai un problème, je fais je vais pouvoir restaurer à partir de la sauvegarde que j'ai fait deux jours auparavant ok alors si vous êtes par exemple chez One and One que je recommande mais je pense que c'est pareil chez les autres euh, vous pourrez les appeler leur dire voilà c'est à panique mon site est a un problème et eux ils peuvent faire une revenir en arrière jusqu'à sept jours avant donc si lundi vous êtes fait attaquer vous appelez samedi ils vont vous rebasculer à la sauvegarde de dimanche avant le problème, ok Par contre, euh, si votre site a eu un problème avant, il ne va pouvoir revenir que sous 7 jours et donc, ça ne va pas résoudre le problème d'avant. Je ne sais pas si je suis clair, mais on va continuer. Donc, nous, on va gérer ça nous-mêmes. Ce sera au moins ça. 7... Donc, régulièrement, sauf si vous prenez le plan payant, mais dans ce cas-là, ça va vous permettre de faire des backups, des sauvegardes automatiquement. Mais si vous ne payez pas, vous allez donc sur… Sauvegarde updraft, updraft Plus et vous cliquez sur sauvegarder maintenant. Vous laissez tout cocher et vous sauvegardez. Donc là, il va faire une copie de tout votre site. Et cette copie-là va falloir l'enregistrer pour le mettre en sécurité sur Dropbox, sur votre ordinateur, mais plus dans le cloud. Ok Donc là, il fait le site. sauvegarde. Et okay, on attend. Un peu, voilà. Et donc, on va aller dans sauvegarde existant. Et là, on va Télécharger ces cinq fichiers là. Alors pourquoi il y en a 5 Voilà, ne me posez pas vraiment la question, mais cliquez sur les cinq et ça va commencer à télécharger. Ok Alors, ça on a fait la sauvegarde, on est à J10, il y a un problème sur notre site, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va aller sur état actuel, on va cliquer sur restaurer et là on va suivre la procédure et on va restaurer. En cliquant là, voilà. On va pas aller plus loin, d'accord Mais c'était juste pour vous montrer, juste pour vous montrer le fonctionnement. J'espère que ça vous ça ne vous arrivera jamais. Il y a des plugins de sécurité. On va pas les voir dans ce réel. Euh, voilà. Troisième application, c'est Yoast SEO. Yoast SEO va nous donner des 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 fonctionnalités qui vont qui vont nous permettre de mieux configurer nos articles pour qu'ils soient mieux référencé sur les résultats de recherche Google. Pour faire plus simple, si on a un blog sur la photo comme moi, quand quelqu'un tape comment apprendre la photographie, je veux être bien référencé sur Google et donc c'est un plugin qui va m'aider un peu dans ce sens. Alors comment il va m'aider, on va le voir tout de suite sur un article. Donc on est là pour faire un blog, donc un article, on va dans Article, ajouter. Je vais vous montrer très rapidement, vous allez voir c'est aussi... C'est comme Word un petit peu. Euh, donc quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de mettre un titre. Je mets un titre. Bon allez. Euh, pourquoi acheter un knife Pour faire des photos. Je clique là. Et très important, je sais pas pourquoi ils font ça. Faut cliquer sur ce bouton là pour faire apparaître une deuxième ligne de fonctionnalités. Ici, on va le faire dans l'ordre. Hein. Le permanent. On voit que le permanent. Donc c'est le lien. URL, l'adresse de notre article. Donc, quand on veut partager notre article, on partage ça. Et euh, par exemple, ici, il y a acheter iPhone. Il n'a pas mis le pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Mais on pourrait mettre euh, acheter. Euh, on pourrait le configurer ici. Alors, en, en général, justement, moi, j'ai tendance à le raccourcir. Normalement, il aurait mis pourquoi acheter iPhone 7 Moi, j'aurais enlevé le pourquoi pour essayer, dans deux trois mots, essayer de, de résumer l'article. Sinon, le permélien, il va être trop long. Donc, on clique sur OK. Ici, on va écrire du texte. Introduction. OK, je vous le montre hein, rapidement. On peut mettre en gras, en italique. N'en abusez surtout pas. On peut centrer. Et on peut faire des hyperliens. Alors, ça, pour moi, c'est évident. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout pour les gens. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, ici, introduction, ht l'iPhone 7. Et on a envie que les gens, quand ils cliquent sur ce mot, sur iPhone 7, ça les amène vers le site d'Apple. Donc on va mettre ici, alors je remonte, hein. on clique sur là, là, le petit maillon, http, evet. HTTP applecom fr iphone C'est peut-être pas ça, mais je pense que Cliquez ici sur... Les options, vous cochez sur cette case. C'est-à-dire que quand quelqu'un va cliquer, il ne va pas quitter votre page. Il, ça va s'ouvrir dans un nouvel euh, onglet. OK. On a fait l'introduction. On va mettre sous sous-titre. 1. Sous hein? Et on va le mettre en titre 3. Parce que titre 2, en général, ça fait des trop gros titres. Blablabla. Bla, bla. Ici, sous-titre 2. Essayez donc vos articles de pouvoir aller les casser en deux trois parties pour que ce soit plus voilà donc on a fait des sous-titres euh, comme ça c'est plus agréable pour le lecteur qui voit la structure ok alors évidemment on peut ajouter une image si je vais ajouter une image je vais là je choisis une image Sur mon ordinateur Je sens que ça va être un peu long à mon ordinateur ok l'image de mon livre d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore acheté que vous regardez ce tutoriel et si vous l'avez déjà acheté et que vous regardez ce tutoriel grâce à ce livre merci beaucoup laissez un commentaire ok j'ai ajouté l'image ici je vais mettre un titre Guide du blogueur. Euh, je peux mettre une légende, je peux mettre un texte alternatif. C'est important pour ceux qui ne sont pas voyants, malvoyants. Il y a mon Siri qui s'est déclenché. Et ici, on va mettre lié à. Lié à quoi Quand on clique sur l'image, qu quelle option vous voulez, euh, euh, quelle option vous voulez pour vos lecteurs Est-ce que vous voulez que l'image s'affiche en plus grand ou comme moi, alors vous pouvez choisir rien quand on clique ça donne rien, ou comme moi, si vous faites la promotion d'un de vos produits, évidemment, vous voulez mettre le lien vers ce produit. Vous pouvez changer la taille de l'image, mais attention, vous ne changez pas la taille de l'image, vous allez changer l'apparence. C'est-à-dire que si vous mettez une image énorme sur votre article de blog, ça va ralentir la, le temps de chargement de la page. Donc mettez une image optimisée, par exemple, de 620 pixels maximum. Euh, sur votre article parce que sinon ça se voit pas ok c'est plus grand euh, voilà donc si vous mettez une image de 120 pixels et vous voulez par exemple montrer que 219 euh, pixels de largeur donc euh, si vous voulez 620 euh, pixels c'est égal à genre euh, 16-17 cm et vous cliquez sur insérer dans l'article et là bim ça arrive c'est simple c'est clair c'est net ici on le centre si vous il y a une vidéo YouTube qui vous plaît. Alors, on va aller. Qui va me sortir une vidéo? Vous n'avez pas sur ma chaîne YouTube. Quoi vous y êtes déjà en fait. Il bon, y a de grandes chances. Voilà, vous prenez cette vidéo-là et vous prenez l'URL. Tout simplement, tout simplement. copier copiez ou vous coupez et vous... Le coller et bim par magie la vidéo apparaît c'est génial euh, alors les catégories choisissez une catégorie correspondant à votre article donc si je fais un blog sur la photo euh, je vais mettre matériel par exemple je mette application je mette euh, euh, je vais mettre, je vais mettre interview on peut que je fasse des interview de photographe et dans les tags, ici, dans les étiquettes en français, on va essayer d'ajouter de, des mots qui euh, décrivent notre article. Mais il ne faut pas que ça se répète par, par rapport aux catégories. Okay les catégories, c'est vraiment entrée, plat, dessert. Euh, les étiquettes, c'est bah, l'entrée. Euh, si c'est une salade, bah, on va mettre euh, salade. Okay on va mettre œuf. Si c'est un steak tartare, on va mettre tartare. Voilà, vous décrivez votre article avec des mots. Quoi, si je rentre pas dans les détails de à quoi ça sert, on n'aura pas le temps. Et donc voilà, vous avez votre article. Et là, vous vous souvenez, je vous avais promis que je vous expliquerai Yoast SEO, c'est à quoi. Yoast SEO va vous donner la possibilité de configurer l'affichage de votre article sur euh, Google et sur les réseaux sociaux. Vous voyez là par rapport à ce que j'ai écrit, ça va s'afficher là. Donc là, je peux, par exemple, faire en sorte que euh, acheter un iPhone. Je veux que sur Google euh, pas cher. Euh, apparaît ça sur Google et puis en description, je veux dire bon plan pour acheter un iPhone pas cher. Du coup, ça va attirer du monde, mais bon, l'article ne parle pas de ça. Du coup, euh, vous êtes mal parce que vous avez menti. Okay vous avez vu tout ce que j'écris là, ça apparaît là. Du coup, quand vous configurez bien ça, euh, c'est ça qui va apparaître sur Google. Pour aller un peu plus loin, vous avez ici la possibilité de configurer. Facebook et d'y ajouter une image pour que ce soit vous qui choisissez l'image qui apparaît. Vous savez, quand on partage un lien, y a une image qui apparaît. Euh, J'en ai pas parlé, mais idéalement, la première image de l'article, c'est l'image qui va apparaître sur Facebook si on n'a pas configuré en dessous. Donc, quand, si vous parlez d'iPhone, il faut que votre première image montre un iPhone pour que quand on partage l'article sur les réseaux sociaux, il y ait bien une photo d'iPhone. Là, je vais super vite. Euh, mais j'espère que voilà, si vous avez des questions vous les posez en commentaire Voilà donc ça c'est fait alors avant de publier je peux cliquer sur aperçu et voir un aperçu ici ok Voilà voilà alors autre chose euh, et quand je veux publier je publie moi ça' être égal c'est un test Vous pouvez changer les catégories et les étiquettes ici et maintenant on va passer au Widgets. Alors, c'est quoi les widgets C'est vous voyez dans la barre latérale, là, ici, il y a des fonctionnalités. Okay Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais juste vous montrer où est-ce que tout ça se passe. Donc, vous allez dans Apparence Widgets. Et ici, vous allez. Alors, juste, je reviens sur l'article. J'avais coché plein de catégories. Un article, c'est une catégorie normalement. Exceptionnellement, ça peut être deux catégories, mais voilà, un steak tartare, ce n'est pas une entrée, ce pas un dessert, ça rentre dans plat. Okay, voilà. Donc, je suis allé dans Apparence Widget et Ici, dans la sidebar, j'ai tout ça comme widget. Par exemple, je vais ajouter une, un widget texte. widget texte. Et je le mets ici en haut. Je Merci de suivre cette vidéo. Et en dessous, j'ai des widgets recherchés, articles récents et tout. Donc, je peux en supprimer, par exemple. Et donc, voilà. Quand on clique sur enregistrer, je, euh, je mets à jour la page. Et voilà. Merci de suivre cette vidéo. Donc, ça se passe ici. Il y a plein de widgets. À vous de vous y aventurer. Et on va terminer sur une chose c'est de personnaliser le menu de navigation. Donc, ça, c'est une question fréquente. On va dans Apparence personnalisée. Alors, il faut d'abord pouvoir publier différents articles sur les différentes catégories pour, mettre, pour pouvoir mettre les, euh, le menu. Okay Donc dans Menu, je clique ici, Emplacement de menu. Alors ça, ça dépend des thèmes. Et je vais ajouter un menu. Euh, menu du haut. Je vais faire Créer le menu. Euh, et puis, je vais ajouter des éléments. Donc là, je vais un peu vite, n'hésitez pas à mettre pause. Et là, vous avez vu, j'avais fait plusieurs catégories. Donc, je vais choisir toutes mes catégories. Et si vous n'avez pas publié d'article, les catégories ne vont pas apparaître dans le menu. Okay Moi, ils vont apparaître parce que j'ai fait un article avec les trois catégories, mais c'était juste pour vous montrer. Et le menu va apparaître où Ça va dépendre du thème. OK. Alors. Vous voyez voilà, il y a les trois euh, catégories qui apparaissent dans le menu. Et quand on clique dessus, il y a les articles qui sont catégorisés dans ces catégories. Ouh Franchement, je pense que j'aurais pas pu faire mieux avec si peu de temps, mais j'espère que ça va vous donner plein de, de, de directions et que vous comprenez maintenant un peu le fonctionnement. Euh, à partir de là, évidemment, il va falloir tester, rester calme quand il y a des soucis et ne pas paniquer et me poser des questions en bas de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et bienvenue dans le monde WordPress. Vous allez voir, c'est fabuleux comment on peut créer des sites avec plein de fonctionnalités sans aucune compétence technique, très peu cher. Et euh, bah voilà, si vous avez un peu l'esprit créatif et que vous aimez ça, vous allez vous éclater. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne et il y aura d'autres vidéos pour vous aider dans votre aventure. Ciao